Novice Yakoua Baido est la nouvelle ambassadrice du Ghana près le Bénin depuis ce jeudi. Elle a officiellement présenté sa lettre de créance et d'accréditation au président de la République. Le Ghana et le Bénin forment un seul peuple qui œuvre pour la promotion des mêmes valeurs démocratiques, morales et éthiques. Novice Yakoua Baido affiche déjà ses ambitions. Mais pour moi, ma préoccupation clé serait de revitaliser, aider à revitaliser la commission permanente mixte de coopération entre les deux pays. Parce que cette commission englobe grosso modo toutes les priorités qu'on a ensemble. Et c'est dans cette perspective qu'on peut, on peut travailler ensemble pour vraiment avancer les atouts de nos pays. Et pour moi, ça va devenir un chantier d'innovation aussi pour apporter d'autres idées qu'on doit apporter dans nos relations pour pouvoir avancer les choses. Achampo représente désormais l'Indo-Béné avec résidence à Abuja. En présentant sa lettre de créance au président de la République, c'est là une nouvelle forme d'énergie qu'il entend insuffler à la coopération entre son pays et le Bénin. Alors, j'ai constaté l'enthousiasme du chef de l'État à coopérer avec l'Inde. Et lorsqu'on sait que le Bénin est un pays d'environ 112 millions de kilomètres carrés et 10 millions d'habitants, on peut aisément constater que ce pays, sur la base des échanges commerciaux qu'il a avec l'Inde, que ce pays constitue franchement un pays à haute potentialité, et je pense que nous allons travailler d'arrache-pied avec le Bénin, non pas que nous n'avons pas travaillé par le passé, nous allons travailler d'arrache-pied et mettre en place au Bénin des projets innovateurs pour le bien-être de nos peuples. Madame Clémence Traoré, sommet du Burkina Faso avec résidence à Accra, est la troisième personnalité à présenter sa lettre de créance. Dès aujourd'hui, a-t-elle dit, il convient de donner un contenu concret à cette coopération avec le soutien de tous les acteurs. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a instruit avec ses collaborateurs et la direction Afrique du ministère des Affaires étrangères de travailler à donner un contenu concret déjà aux différentes conventions qui existent entre nos États depuis longtemps, à travailler également à réunir la commission mixte de coopération qui existe entre nos deux pays et dont la dernière rencontre a eu lieu en 2005, ce qui fait déjà près d'une dizaine d'années, et également de travailler dans le sens des grands projets communs que nous avons dans le cadre des institutions internationales auxquelles nous faisons tous partie, donc les grands projets de la CEDEAO et de l'UEMOA, comme la grande boucle ferroviaire dont les présidents viennent d'obtenir le financement auprès des partenaires à Dubaï. Suivra l'ambassadrice agréée de la République du Mali près le Bénin avec résidence à Accra, Aissata Kononji Koulibaly. Pour elle, il faut fédérer les efforts des deux pays pour l'essor économique, surtout avec le don naturel, le port autonome de Cotonou. Nous retrouvons déjà dans les organisations sous-régionales, la CEDEAO, l'UEMOA, dans les organisations régionales, l'UIA. Mais il y a lieu de porter désormais la coopération bilatérale à la hauteur des excellentes relations économiques et politiques, culturelles qui existent entre le Mali et le Bénin. Touré Gaoussou répond depuis ce jeudi au nom de la Guinée-Conakry au Bénin. La vision de son président, le professeur Alpha Condé, du président béninois Boni Yayi, sont ses sources d'inspiration en vue de faire du Bénin et de la Guinée-Conakry des pays de paix, d'exemples de coopération sud-sud dans la sous-région ouest-africaine. Je vais essayer de concentrer tous mes efforts en rapport avec les départements ministériels concernés. Tout d'abord pour la tenue de la commission mixte, qui ne se réunit pas depuis plus de 20 ans. Ça, c'est le cadre juridique qui permettra de définir le programme de coopération pour les années à venir. Donc, nous essaierons de conjuguer tous les efforts. Il y a déjà une concordance de vues entre les deux présidents. La volonté politique existe. Ils sont en concertation au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine. Nous ne ferons que bénéficier de leur sage orientation pour essayer d'impulser cette coopération bilatérale et aussi régionale et sous-régionale.